Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 22 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. On va terminer avec la sagesse des anges, magnifique tarot, n'est-ce pas, de Radlegg Valentine. On terminera par l'affirmation positive, mais avant de commencer, la petite philosophie du matin. Et ce matin, c'est le présent. Le passé est passé,
Le futur est inconnu. Seul le présent nous appartient. Mais je rajouterai quand même que c'est vrai que le futur est inconnu, mais il dépendra du présent. Voilà pour la petite philosophie du matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé une lame mineure, pardon, une lame mineure qui est le cavalier Do. Donc, il est lié c'est la suite Do, pardon. Il est lié aux émotions et à l'intuition. La suite Do, ben, c'est le monde des émotions. Alors, dans le tarot traditionnel, c'est la suite des coupes. L'eau représente, eh bien, les aspects les plus profonds de l'existence. C'est-à-dire tomber amoureux, avoir des enfants ou se faire de nouveaux amis avec qui l'intimité est instantanée, par exemple. Alors, toutes ces lames de la suite d'eau, eh bien, représentent également la famille, le foyer et les souvenirs d'enfance. Elles peuvent aussi indiquer des fiançailles ou un mariage et plus généralement, les périodes où l'on déploie eh bien, les efforts nécessaires pour avoir une vie de famille épanouie. La suite d'eau représente aussi la spiritualité et les dons intuitifs. Voilà pour la suite, la petite explication de la suite d'eau. Alors, le cavalier, c'est le romantique, le dragueur, l'introspectif, l'inconstant. Vous pourriez tomber amoureux, vous pourriez être séduit, vous pourriez vivre une histoire d'amour soudaine. Ça peut être aussi un manque d'équilibre dans une relation, une situation ou sujet qui font palpiter votre petit cœur. Et ça pourrait être aussi l'amour de l'art et de la poésie. Le cavalier d'eau. Eh bien, pour la situation, c'est ce que la plupart des gens désirent dans l'amour. Ce sentiment d'être eh bien, profondément amoureux. Mais ça fait tellement du bien, n'est-ce pas, d'avoir ce sentiment amoureux et à l'apogée de la passion et du rêve, n'est-ce pas? Dans la situation, vos paupières papillonnent, votre petit cœur est en ébullition, vous avez les petits papillons dans le ventre, l'objet de votre affection est la perfection, personnifié, c'est du moins ce que vous croyez, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des poèmes, des roses, des chocolats, des bougies et des lettres d'amour, ou plutôt des textos et des emails. Vous ne pouvez rien faire d'autre, vos pensées sont accaparées par ce cavalier en armure étincelante. Alors, il se pourrait qu'il y ait une intervention émotionnelle en cours. Elle est probablement vraiment en cours. Alors, la question est la suivante. Êtes-vous le soigné ou le soignant? Le cavalier défend une vision idéaliste, n'est-ce pas, de l'amour. Le cavalier, il est romantique, théâtral, poétique et tout à fait charmant. Eh bien, cela semble merveilleux quand je vous dis tout ça, n'est-ce pas? Mais attendez une minute. Ce genre d'expérience émotionnelle, eh bien, ça pourrait peut-être vous déséquilibrer. Qu'il s'agisse d'une histoire d'amour ou d'autre chose dans votre vie qui fait battre votre petit cœur, eh bien, vous avez besoin de bien planter vos pieds dans le sol et d'ancrer vos émotions.
essayer de trouver un certain équilibre. Alors, si ce cavalier représente quelqu'un dans votre vie, vous devez comprendre qu'il y a peu de chances que cela dure. Le cavalier d'eau a tendance à être amoureux de l'amour. Dès que la relation se banalise, il part pour de nouvelles conquêtes, car son grand but à ce cavalier dans la vie est de maintenir vivant le puissant sentiment d'amour. N'oubliez pas que vous pourriez bien incarner ce cavalier épris de sensations fortes. Faites une évaluation honnête de vous-même. C'est impératif. Si vous répétez ce schéma dans votre vie amoureuse, eh bien, il est temps d'en sortir. Vous avez des choses à comprendre. Alors, l'appel à la conscience, il y a autre chose que les histoires d'amour dans la vie, n'est-ce pas? Votre cerveau n'est pas votre ennemi. Pensez donc à ce qui se passe en ce moment. S'il vous semble que tout va beaucoup trop vite, c'est probablement vrai. Il n'y a pas de mal à savourer l'expérience, mais ne vous y perdez pas. Écoutez ce que votre famille, votre entourage, vos amis vous disent. Alors, si vous êtes le cavalier, eh bien, faites attention à la façon dont vous pourriez blesser votre partenaire. Il serait peut-être judicieux de repenser de la façon dont vous vous exprimez, vous vous comportez. Si maintenant vous attendez une relation stable, il faudrait peut-être changer votre fusil d'épaule. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation, eh bien, attention, parce que il faudrait peut-être que vous voyiez tous les tenants et les aboutissants de cette relation. Il pourrait avoir de la jalousie, la manipulation. Il pourrait aussi, ça pourrait être une addiction, une codépendance à cet amour. On vous demanderait bien réfléchir, n'est-ce pas? Le cavalier, il est là pour, eh bien, pour mettre les choses devant vous et ne pas jouer la politique de faire, ne pas faire la politique de l'autruche, n'est-ce pas? Il y a peut-être quelque chose que vous devez rectifier en vous et peut-être changer votre comportement. Voilà ce que le cavalier est venu vous dire aujourd'hui. Je termine par l'affirmation positive. Eh bien, j'attire à moi la réussite et le succès. J'attire à moi la réussite et le succès. J'attire à moi la réussite et le succès. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. Et je vous dis à demain.